Monsieur Mignard, vous nous voyez. Bonjour. Bonjour. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être au rendez-vous finalement, même si c'est par écran interposé. Naturellement, nous aurions préféré vous avoir à côté de nous en direct face au public palois et béarnais qui doit vous dire est particulièrement nombreux ce midi pour vous écouter. Un mot d'abord pour vous présenter. Vous êtes un homme à plusieurs vies. Vous êtes d'abord un avocat réputé, spécialiste notamment des questions de droit pénal et des personnes et des affaires. Votre thèse de doctorat en droit était intitulée « Cybercriminalité et cyberrépression ». Vous êtes aussi un essayiste, vous avez écrit de nombreux livres sur des sujets extrêmement divers. Et vous êtes enfin un homme politique qui a préféré l'ombre des coulisses aux lumières crues des pouvoirs. Membre du PS jusqu'en 2016, d'abord proche de Jacques Delors et de Michel Rocard, vous avez participé, on s'en souvient, à la campagne de Ségolène Royal, et vous êtes aussi, les gazettes en parlent régulièrement, un ami intime de l'ancien président François Hollande. Et il y a quelques 18 mois, un peu plus même, vous aviez décidé de soutenir la candidature d'Emmanuel Macron. Vous êtes enfin membre du Conseil consultatif national d'éthique, c'est dire la palette des activités qui vous passionnent aujourd'hui, hier et sans doute encore pour demain. Mais venons-en tout de suite au livre que vous venez de publier, intitulé « L'Empire des données », un ouvrage dénonçant l'opacité des algorithmes, voilà, je recherche le mot, qui régissent d'une part croissante de nos existences, hein, et qui bouleversent depuis déjà de nombreuses années le rapport de force entre les États, entre les entreprises, entre les consommateurs et les citoyens. En une année, vous l'écrivez dès le début de votre ouvrage, en une année, plus de données ont été récoltées que depuis le début de l'histoire de l'humanité. Et vous ajoutez que cette tendance va s'accroître de manière tout à fait exponentielle avec les quelques 100 milliards d'objets connectés qui sont annoncés à l'horizon 2025. Alors aujourd'hui, toutes ces données sont évidemment interprétées, partagées, retraitées. Finalement, toutes ces données qui nous concernent souvent ne nous appartiennent plus. Est-ce que vous diriez carrément que face à cet empire des données, nous subissons en quelque sorte une dictature des données ? Oui, alors, le mot est terrible, dictature des données. D'abord, les données, c'est nous qui les produisons, ce sont nos données. Donc s'il y a une dictature des données, c'est une dictature que nous nous imposons à nous-mêmes. Si nous parlons aujourd'hui de dictature des données, c'est peut-être parce que nous sommes passés à un phénomène de masse. Ce n'est pas nouveau d'ailleurs, la question de la protection des personnes dans le domaine informatique, c'est-à-dire les renseignements collectés sur les personnes. La première grande loi française sur les données, c'était précisément tous les renseignements et qui pouvaient être captés sur les personnes, mais au fin de protéger leur honneur, leur considération, les actes de leur vie publique, bref, la protection habituelle de ce que le droit avait l'habitude d'offrir aux personnes, et qui s'appuyait sur les grands droits fondamentaux de liberté, de droit humain. C'est la grande loi de 1978, dite la loi informatique et liberté, dont tout le monde, je crois, a peu ou prou entendu parler, et qui avait donné naissance à la Commission nationale informatique et liberté, qui devait surveiller que le traitement des fichiers informatiques répondait évidemment à cette protection des droits des personnes. Mais encore une fois, des droits personnels des personnes, des droits fondamentaux de ce que nous pouvons appeler les grands droits, ceux auxquels nous sommes habitués par référence à la loi, à la Constitution ou en grandes conventions internationales. La nouveauté, c'est effectivement aujourd'hui avec ce que l'on a appelé les big data, c'est-à-dire que nous sommes passés au nombre, nous sommes passés à la masse des données. Et aujourd'hui, ce qui est en question est peut-être moins le profilage de données sur ses opinions, par exemple, que son comportement.
Nous sommes passés effectivement à un stade où on pouvait craindre que ce soit les personnes à travers leurs opinions, leur vie privée, qui soient atteintes. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus par la masse des données que nous laissons sur la navigation du web, nos goûts, nos plaisirs, nos modes de vie, oui, nos modes de consommation. Comment tout ça peut être utilisé sur le plan économique et commercial. Voilà, donc nous sommes à une deuxième étape de l'histoire des données. Parce que depuis très longtemps, finalement, les citoyens font l'objet de divers recensements. Donc ce que vous soulignez, c'est que c'est aujourd'hui la masse qui a considérablement fait évoluer la problématique. C'est ça, c'est le big data qui est inquiétant, plus que la collecte des données. Le big data est inquiétant, mais tous les jours, qui sont les premiers acteurs du big data ? C'est vous, c'est nous, c'est toutes les personnes qui nous écoutent dans la salle. C'est-à-dire que tous les jours, allant sur le web, nous laissons des données. Nous consultons une agence immobilière, nous donnons des renseignements sur un type de maison, là où nous souhaitons aller. Et d'ailleurs, si vous avez l'habitude, vous verrez que quelquefois, sans même que vous y ayez prêté attention, vous allez soudain avoir une présentation de maison correspondant à peu près au prix de celle que vous avez cherchée, sans que vous les aviez, celles-là, spécialement cherchées. Donc ça veut dire que votre recherche a été enregistrée et qu'à travers la recherche qui a été faite, eh bien, on répond et on anticipe à d'autres demandes que vous pourriez faire. Alors vous savez, c'est aussi les goûts, c'est ce que vous consultez d'Optissimo, c'est quel type de vêtements vous souhaitez, où est-ce que vous allez en vacances, quel type de crédit vous recherchez, etc. Donc aujourd'hui, c'est plus l'homo economicus, l'homme économique, la femme économique, c'est social qui est en jeu, plutôt en effet que les droits individuels de la personne sur les grands fondamentaux. Voilà, c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Hein. La donnée anonyme, finalement, ça n'existe pas ça n'a jamais existé d'ailleurs. Si les données anonymes, bien évidemment, les données sont collectées par définition. On laisse des traces. On voit bien d'ailleurs, alors on nous dit cookies ou pas cookies, on nous offre quelquefois de grands inserts pour nous demander si nous acceptons les conditions dans lesquelles nous allons dorénavant naviguer sur le web et nous allons laisser des traces de nous-mêmes. Je dois reconnaître que dans la majeure partie des cas, nous ne les lisons pas, nous n'avons pas le temps de les lire, ou c'est tellement lassant ou incompréhensible qu'en effet, ces alertes sont à peu près inopérantes. Et d'une certaine manière, nous-mêmes, nous nous en remettons au moteur de recherche pour souhaiter qu'il n'y aura pas une mauvaise utilisation des données. Qui possède légalement, finalement, toutes ces données ? Parce que votre propos nous amène à s'interroger, là. Qui possède ? C'est encore moi qui possède mes données personnelles ou je ne les possède plus ? Et c'est qui, alors ? Alors, vous posez une grande question. Quand on dit « ce sont nos données », sommes-nous propriétaires de nos données ? Ça a été un débat. Le débat a été longtemps posé. Est-ce que c'est un débat juridique ? Est-ce que je suis propriétaire des données que je laisse ? Sachant que ces données constituent une forme de nouvelle matière première, c'est-à-dire une source de commerce et donc une source d'enrichissement. Alors, est-ce que je suis propriétaire de mes données ? En d'autres termes, la question que vous me posez, vous me le confirmerez, c'est est-ce que je peux vendre mes données ? Ou est-ce qu'on doit m'acheter mes données ? C'est bien cela. Oui. Eh bien, non. D'une certaine manière. Le débat a été soldé en disant les données vous appartiennent, mais elles sont un attribut de votre être moral et social, oui. C'est-à-dire qu'elles ne se vendent pas, mais on ne peut pas faire n'importe quoi des données qui sont captées à partir de votre navigation sur le web. Donc j'ai une sorte, pour ceux qui connaissent un petit peu la propriété littéraire artistique, l'éditeur a la propriété du livre. C'est lui qui a en effet la charge de le vendre et qui a une partie des ressources du livre. Mais j'ai un droit moral quand je suis un auteur sur lui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi de ce que j'ai écrit et de ce que j'ai cédé à mon éditeur. Donc en fait, si je vais vite, je dirais que nous ne sommes pas propriétaires de nos données, au sens d'une propriété que l'on peut effectivement proposer sur un marché, que l'on peut vendre et tirer un bénéfice, j'ai un droit moral sur elle. Autrement dit, on ne peut pas faire n'importe quoi de mes données. Autrement dit, l'expression « données personnelles » n'a finalement plus de sens. Données personnelles,
elles ont un sens dès lors que nous construisons un système juridique qui veut bien leur donner un sens. Oui, alors justement, qu'en est-il du droit qui protège ces données? Alors, le droit a changé de manière considérable. Nous sommes en novembre, en mai 2018, l'Union européenne a adopté un règlement général de protection des données. C'est considérable parce que le règlement, à la différence d'une directive, il s'applique immédiatement. C'est-à-dire qu'il rentre immédiatement dans la loi. Il est applicable depuis mai. Qu'est-ce que dit ce règlement général de protection des données? Il dit que toutes les données collectées sur le territoire de l'Union européenne, de quiconque, européen ou non européen, que toutes ces données obéissent à deux principes. Le premier principe, c'est le respect des droits et libertés fondamentales. C'est-à-dire qu'on ne peut y avoir aucune exploitation d'une donnée personnelle sans le consentement de la personne. Vous voyez, je reviens sur votre question de tout à l'heure, qui était d'ailleurs juste parce qu'elle s'est beaucoup posée. Je ne suis pas propriétaire au sens où on l'entend du droit civil, mais on ne peut pas faire n'importe quoi de ma donnée. Donc je dois consentir à ce qui sera fait de ma donnée. Mais par contre, c'est le deuxième grand principe de l'Union européenne, c'est la liberté de circulation des données. C'est-à-dire que pour des raisons commerciales et économiques, les données peuvent circuler. N'oublions pas quand même que le marché commun s'est créé en 1957 autour de la liberté de circulation des biens, des services, du travail et du capital. Eh bien là, c'est pareil. Vos données doivent pouvoir circuler, mais elles ne peuvent circuler qu'avec votre consentement et selon des usages et des finalités qui sont déterminées par le Règlement général de protection des données. Voilà le système qui a été mis en place par l'Union européenne et qui est le seul système au monde aujourd'hui existant, alors qu'il y a des milliards et des milliards de données qui circulent et que ces données sont évidemment une source de richesse pour beaucoup de gens, d'acteurs économiques qui disent « c'est très intéressant de connaître les goûts, les demandes des personnes », qui les mettent un peu, si vous voulez, en statistique, parce que ça va guider les politiques commerciales, ça va influer sur les choix que tel ou tel pouvant être. En fait, nous voyons bien que nos données sont utilisées aujourd'hui à des fins économiques et commerciales. Mais on ne peut pas en faire n'importe quoi. Oui, mais on ne peut pas non plus, finalement, si on refuse d'accepter les conditions qu'on nous propose, finalement, on n'a plus accès à un certain nombre d'informations numériques. Donc c'est une forme d'acceptation sous la contrainte. Non, alors vous avez raison. Pourquoi, effectivement, nous avons refusé la propriété des données? Parce que, au même titre que beaucoup de gens n'arrivent même pas à faire des choix en fonction des inserts ou des avertissements qui leur sont donnés, on a dit de toute façon, dans cet immense océan de données qui circulent et qui circulent à travers le monde, comment voulez-vous, si je suis propriétaire, que je puisse suivre l'évolution de ma donnée? Donc, quiconque veut traiter une donnée, c'est ce que l'on appelle l'opérateur de traitement, le responsable du traitement, doit se conformer à un certain nombre de principes. Et le premier principe, c'est de dire « consentez-vous au traitement que je vous propose ». Ensuite, c'est à l'opérateur de traitement, qui est une entreprise, de faire en sorte de respecter la finalité du traitement qu'elle a proposé, et puis bien sûr, de s'assurer que le consentement de la personne est respecté. Donc c'est un niveau, c'est ensuite un système de délégation de responsabilité qui fonctionne. Ce sont les entreprises responsables de traitement qui doivent se conformer au règlement général de protection des données. Non, c'est celui qui vous traite qui doit vous protéger. Un mot encore sur les données personnelles. Mais comment on peut vérifier que finalement on respecte la bonne utilisation? Est-ce qu'il y a un gendarme du respect des données, enfin des respects de la protection des données? Ah, bien sûr. D'abord, premièrement, l'opérateur de traitement, le responsable de traitement doit se conformer d'abord à la loi, première chose. La deuxième chose, c'est que la loi, c'est quoi? La loi, c'est d'abord la loi. Le règlement général de protection des données, c'est la loi. Alors, il va être complété dans les 27 États membres de l'Union européenne, plus la Grande-Bretagne, parce que la Grande-Bretagne, quoi qu'étant dans sa situation de retrait de l'Union européenne, a décidé de rester, de se soumettre au règlement général de protection des données. Donc, la Grande-Bretagne aussi, c'est-à-dire le règlement. Ensuite, il y aura des lois nationales, et alors, il y aura évidemment les vérifications
de la CNIL, des CNIL, des commissions nationales informatique et liberté. Il y aura bien évidemment le juge. Il y aura les juges. Et puis il y aura bien évidemment ensuite les modes d'organisation paralégales ou éthiques que les entreprises devront se doter. Code de conduite, certifications qui devront être autant, qui seront validées par les CNIL. Et puis même au sommet de la protection, il y a même la Commission européenne elle-même. Donc, on a toute une pyramide de protection dont je reconnais, je veux bien l'avouer avec vous, c'est énorme. C'est-à-dire que c'est un immense système sur des centaines de millions, des milliards de données, et où vous voyez bien que vous et moi, ou toute personne dans cette salle, serions de minuscules petits esquifs dans un océan et une véritable tempête. C'est pourquoi on a construit cette immense citadelle de protection dont certains diront, elle est tellement immense, elle est tellement considérable, oui, elle est tellement haute que peut-être elle est inaccessible. Beaucoup passeront à travers les mailles du filet. On est vraiment devant, on est en plein Big Brother. C'est d'une certaine manière. Alors, je vais vous dire, c'est pour lutter contre Big Brother qu'on a construit le Good Brother. Bien. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il n'est pas interdit pour les données. Elles ne vont pas circuler simplement qu'à l'intérieur de l'Union européenne. Oui. Elles vont circuler dans le monde. Absolument. Puisque la liberté de circulation, c'est ça. Et que comme les accords mondiaux de libre circulation des richesses, des biens, des services et des données vont se faire, qu'est-ce qui va se passer pour des données, les nôtres, collectées sur le territoire de l'Union européenne et qui vont aller, je ne sais pas moi, aux États-Unis, au Japon, en Russie, au Pérou, je ne sais pas. Donc, parce qu'une entreprise française, par exemple, qui traite les données, notamment pour connaître les goûts et l'évolution des goûts en matière automobile, bah, évidemment, ça va intéresser les constructeurs automobiles du monde entier. Donc, les données vont circuler. Et ces données, qu'est-ce qu'on va en faire? D'abord, premièrement, est-ce qu'on aura accès au nom des personnes? Normalement, elles devront être anonymisées et pseudonymisées. Pseudonyme et anonymat. C'est ce qui devrait être effectivement la première règle de protection. Deuxièmement, il se peut effectivement que le sous-traitant péruvien ou le sous-traitant japonais ne traite pas les données comme le règlement général de protection des données européen le prévoit. Alors là, vous vous rendez bien compte qu'on rentre dans une question de droit majeur, et si vous n'êtes pas content de la manière dont ce traitement a été fait, est-ce que vous allez vous tourner contre l'opérateur de traitement européen ou alors contre le japonais? Mais là, c'est très loin. Vous n'allez pas faire un procès à Tokyo. Donc, ça doit être l'opérateur de traitement français ou anglais qui doit faire une procédure contre l'opérateur japonais pour n'avoir pas respecté son contrat. Vous avouerez que c'est une grande nébuleuse quand même. Vous voyez combien nous sommes de minuscules petites particules au sein d'un monde immense de données avec les GAFAN, les immenses collecteurs de données, les grands GAFAN, avec les opérateurs de traitement et puis ce qu'on espère, ce qui est espéré, c'est-à-dire des ressources considérables de l'exploitation des données. Donc vous voyez, c'est aussi un nouveau modèle économique qui est derrière tout ça, et il faut quand même y prendre extrêmement garde, parce que nous pouvons avoir affaire à une situation où nos données, si elles ne sont pas absolument protégées, ça veut dire ce qui s'est d'ailleurs passé dans beaucoup de pays. Je sais que par exemple, une femme qui c'était aux États-Unis, qui achetait toujours des produits dans l'attente d'un enfant. Finalement, ses choix commerciaux avaient été collectés, numérisés. Et finalement, c'est, je pense, son père qui habitait chez elle, qui reçoit un jour un document pour dire « Vous attendez un enfant, Madame Attel, vous attendez un enfant, voilà ce que nous proposons. » Sa fille ne lui avait même pas dit qu'elle attendait un enfant, vous voyez. Tous les traitements qui peuvent être faits. Donc c'est pour ça qu'anonymiser et pseudonymiser. Mais ça, c'est l'Europe. Ailleurs, ce n'est pas du tout le cas. On l'a vu avec Facebook. Vous avez bien vu ce qui s'est passé avec Facebook, quand même. Absolument. Dans votre essai, vous soulignez qu'on a tendance, finalement, à se focaliser sur la question des données personnelles. Quand vous dites les données publiques posent autant de problèmes, voire peut-être même davantage. Dites-nous un mot là, sur cette remarque que vous faites dans votre,
dans votre essai. Les données publiques sont beaucoup plus protégées. Oui. Ce qu'on appelle l'open data est beaucoup plus protégé. C'est-à-dire, mais ça pose, ça pose tout autant de problèmes, voire davantage. Pardon ? Non ? Le fait qu'on s'intéresse aux données personnelles, mais les données publiques, elles sont tout aussi importantes à protéger parce qu'elles mettent en œuvre des conséquences bien plus graves, non ? Oh non, les données personnelles, vous savez, sont tout à fait considérables parce qu'elles donnent des révélations sur soi qui sont tout à fait majeures. Je vais vous dire une chose. Si vous allez souvent sur Doctissimo et si vous n'êtes pas protégé, eh bien, on peut se douter effectivement que vous avez, d'abord, soit que vous êtes un hypochondriaque, et soit que vous êtes effectivement sujet à un certain nombre de pathologies. Deuxièmement, il faut bien voir que ce qui concerne les données, les big data, c'est qu'on s'intéresse moins à des personnes individuellement qu'à des groupes. Ce qui intéresse les big data, le big data, c'est des groupes, c'est-à-dire comment des gens dans une ville réagissent, comment des gens dans un quartier réagissent, comment des groupes en âge réagissent, comment des groupes en sexe réagissent, pour ensuite construire des stratégies, non pas sur des personnes à titre individuel, mais sur des personnes telles qu'elles apparaissent en groupe. Par exemple, si j'ai un certain nombre de données indiquant que dans un quartier X, par exemple, il y a beaucoup de jeunes qui meurent, alors on peut dire soit ils sont en mauvaise santé, soit il y a des problèmes de stupéfiants, mille choses. Écoutez, ça aura d'abord des conséquences sur les activités de police. Donc on a très vite, à partir de ce moment-là, une utilisation des données massives sur les activités de police. Renforcer la sécurité, les activités de police sur le quartier. Ça peut être bien, ça peut être mal, parce que des fois, on s'est trompé, des fois l'algorithme peut se tromper. Deuxièmement, en matière de santé, c'est essentiel. Vous vous rendez bien compte que toutes nos navigations sur le net, combien de fois, moi je ne sais pas, pas seulement moi qui ne suis pas particulièrement hypochondriaque, mais un peu comme tout le monde, on va quand même rechercher des indications sur des inflammations, sur des malaises qu'on peut ressentir. Mais ce sont des informations infiniment précieuses pour des assurances. Vous imaginez bien que pour des assurances, c'est considérable, y compris même d'ailleurs que si vous avez par exemple, on repère des indications par les données qui indiquent par exemple qu'on a un certain type de problème de santé dans un quartier qui peut être lié à l'insalubrité, qui peut être lié à des origines, je ne sais pas. Vous imaginez bien que la compagnie d'assurance, si elle était en mesure de traiter ce type d'information, eh bien aurait une politique d'offre de contrat qui serait quand même très différente, avec des primes certainement rehaussées. Donc vous voyez que ce qui peut se faire à travers le traitement de masse des données, a sur le plan économique et social des conséquences qui sont majeures. Et par exemple, sur le domaine de la santé, c'est certainement une des questions principales, c'est sans doute la santé sécurité. Permettez-moi de revenir sur ma question précédente. Je voulais parler des données publiques. Finalement, ces données publiques, elles peuvent mettre en cause carrément la sécurité d'un État, l'organisation d'un État, tant sur le plan sanitaire que sur le plan des infrastructures. Est-ce que ces données publiques, on doit s'en inquiéter aussi de la même manière ? Alors, elles sont très protégées parce que sur ce point, les données publiques... Alors, il y a les données publiques qui sont ouvertes à la connaissance lorsque ce sont des données qui participent du domaine de la recherche, de la connaissance, de la documentation, de l'étude, de l'université, bien sûr. Mais pour ce qui concerne les données publiques stratégiques, elles relèvent effectivement de la gestion du ministère de l'Intérieur ou du ministère de la Défense. Oui, ce ne sont pas des données qui sont mais on a bien vu, on a bien vu ces derniers mois les attaques, en quelque sorte, des grands États, entre eux. Je pense notamment à la Russie vis-à-vis des États-Unis dans l'élection présidentielle et dans d'autres. On a cité d'autres cas. C'est quand même des attaques d'un État à un autre. Donc, c'est des données d'un État vers un autre. Alors, c'est deux choses. Il y a d'une part l'aspect des fake news, et puis il y a d'autre part la question des données. La question des données, la question la plus majeure, a été celle effectivement des données qui étaient collectées par Facebook et qui ont été purement et simplement abandonnées au groupe Cambridge Analytica, qui est un groupe plutôt marqué de l'extrême droite américaine, et qui a utilisé près de 50, on parle peut-être maintenant, 70 millions de données collectées par Facebook qui ont été massivement utilisées pour faire du ciblage politique dans la campagne électorale américaine en faveur de Trump. Alors là, on a un autre problème qui est considérable, c'est que toute l'industrie de collecte des données, il n'y a pas d'industrie européenne de collecte des données. Toute l'industrie de collecte des données
elle est essentiellement américaine, hormis les Chinois qui ont leur propre industrie autarcique. C'est une faille européenne. Nous n'avons pas d'industrie de collecte des données. C'est une faille européenne qui est identifiée. Et pourquoi alors on ne réagit pas ? Pourquoi l'Europe ne réagit pas ? Pardon, je vous ai dit. C'est visiblement le fait que nous n'ayons pas d'industrie des collectes des données en Europe, c'est visiblement une faille pour notre vieux continent. Mais pourquoi alors ce vieux continent, cette Union européenne, ne réagit-elle pas face à ça ? Comment vous l'expliquez ? Votre remarque est juste. Et malheureusement, nous ne referons pas l'histoire, une histoire industrielle qui a été manquée. Soyons honnêtes, l'histoire de l'Internet, elle commence aux États-Unis. Internet a une génétique américaine. Internet n'a pas une génétique française, ni européenne. On a mis beaucoup de temps, d'ailleurs, à adapter notre droit à celui de l'Internet. Ça, c'est la première question. Nous avions une grande industrie informatique. Je ne sais pas pourquoi Bull n'a pas réussi. Ce n'est pas le sujet. C'est trop long. Mais enfin, nous avons tous, les Européens, été évincés de la scène de l'industrie informatique et puis surtout de l'industrie des données. Nous ne sommes pas parmi les GAFA. Ça, il faut le savoir, c'est un grand problème. Alors, qu'est-ce que nous avons fait Je reprends votre question. Qu'est-ce qu'on fait comme on n'a pas d'industrie, c'est-à-dire, nous ne sommes pas l'offre. Nous n'avons pas, effectivement, nous n'avons pas d'industrie de l'offre puisque nous ne sommes pas en mesure de collecter. Ce que nous avons fait avec le Règlement général de protection des données, c'est qu'on a créé le marché. On a dit, oui, il y a un marché, mais ce marché, il obéit à des règles. Donc vous, les GAFAN, vous ne pourrez collecter les données des utilisateurs, des internautes européens. C'est quand même 500 millions de personnes, hein, les internautes européens. C'est énorme. Et en plus, les internautes européens sont grandement, beaucoup, des consommateurs. C'est-à-dire qu'ils vont sur beaucoup de sites. Donc ce sont les consommateurs européens laissent beaucoup, beaucoup de données derrière eux. Ce sont des grands producteurs de données. Si je parlais, j'aime pas du tout la comparaison et vous allez me la reprocher, si je disais que nous étions des puits de pétrole, je dirais qu'on a d'énormes réserves de pétrole. Donc les internautes européens sont une véritable cible pour les GAFAN. C'est pour ça que, puisque nous ne pouvions pas avoir d'industrie, on a créé le marché. On a dit oui, mais vous ne pouvez vous servir qu'à une certaine condition. Liberté, le consentement des personnes comme étant la règle de tout, et deuxièmement, des finalités qui soient conformes à nos droits. À partir de ce moment-là, vous pourrez collecter. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'on est dans un rapport de symétrie je ne sais pas. Ben, vous savez, à partir du moment où le marché, est-ce que le marché peut réglementer l'industrie ou est-ce que c'est l'industrie qui va hégémoniser le marché ? C'est ça la question qui nous est posée aujourd'hui. Alors, vous voyez par exemple l'Angleterre. L'Angleterre qui a quitté, elle reste dans le Brexit. Je vois la Californie. La Californie dit, mais nous pensons que le système européen des données, c'est et de loin le meilleur. Il y a aujourd'hui à peu près 4 ou 5 États américains qui disent, nous allons nous en faire des lois plutôt conformes au règlement européen de protection des données parce qu'il nous semble le plus protecteur et le plus correct. Ça, c'est une deuxième chose. Et n'oubliez pas que lorsque, dans tous les coins du monde, il y aura des contentieux, des contrats entre l'opérateur de traitement et le sous-traitant, quel est le droit qui va s'appliquer ? Ce sera le droit européen, le Règlement général de protection des données. Si, par exemple, vous avez un opérateur de traitement anglais qui est en conflit avec un sous-traitant japonais devant le juge japonais, eh bien, le droit du contrat, c'est le droit européen. Donc, ça va même amener des juges du monde entier à travailler sur les normes du droit européen. D'une certaine manière, on a repris la main. On n'est pas dans le hard power, puisqu'on n'a pas les industries, mais on a repris la main sur le soft power, c'est-à-dire le droit. Je reviens à ce que vous évoquiez tout à l'heure à propos des données sur la santé. Quels sont les deux ou trois autres domaines où l'exploitation de ces données peut s'avérer problématique, voire même carrément dangereuse pour les individus ? Dangereuse. Je vais quand même tempérer, parce que je vois dans le domaine de la santé, notamment dans la recherche génomique, le traitement des données, c'est considérable. Dans la lutte contre le cancer, le traitement des données, c'est aussi considérable. Par exemple, en matière d'environnement, alors ça, il faut le savoir, tous les chercheurs disent, nous avons besoin d'un traitement
massive des data, parce que nous faisons beaucoup progresser la recherche médicale, parce que nous sommes en mesure d'aller, d'avoir des renseignements statistiques infiniment plus importants que ceux que nous en avions avant. Nous avons des rapidités de calcul, car tout cela est mathématique, infiniment plus importantes que ce que nous avions avant. Donc, c'est un progrès. Voilà, je le dis, c'est un progrès. En matière d'environnement, par exemple, vous avez des capteurs en matière d'environnement, notamment toute la ville de Jakarta s'est organisée avec des capteurs numérisés pour effectivement prévoir des événements, des montées des eaux, etc. En matière de sécurité, c'est aussi de plus en plus utilisé. Donc il y a tout un aspect très bénéfique des données. La question, je vais vous le dire, il n'y a jamais eu dans l'histoire des hommes, jamais, jamais, de progrès qui ait sa face sombre. Un progrès a toujours une face claire et il a toujours une face sombre. Regardez, l'atome a permis la radiothérapie et a soigné des millions de personnes du cancer. Mais en même temps, l'atome, c'est la bombe atomique. Eh bien, c'est ça le progrès. Il y a toujours un bien et il y a toujours un mal. Et c'est à l'activité des hommes de conjurer le mal et de protéger le bien d'un progrès. Donc, en matière de santé, je vais vous le dire, hein, le consentement des personnes, il est à peu près réduit à néant. En réalité, tout est entre les mains des organismes de santé qui sont des organismes agréés. Car on a considéré, en matière de santé, que si on pouvait consentir à ce que mes données circulent quand je faisais des courses ou quand j'achetais des voitures, etc., qu'en matière de santé, c'était tellement important qu'on ne pouvait pas laisser aux personnes le risque de se laisser piéger et de se faire prendre. Donc la matière de santé est extrêmement organisée et protégée. Comme tout à l'heure, on l'avait vu, les données publiques, lorsqu'elles sont en mesure de concerner la défense nationale et les orientations stratégiques du pays. Ça, c'est vraiment le système européen. Honnêtement, il est bien fait, sauf que c'est en effet une pyramide considérable. En poursuivant la lecture de votre livre, on apprend que vous expliquez d'ailleurs qu'en cartographiant nos préférences pour modéliser en quelque sorte nos comportements et à terme carrément les prédire, eh bien, le traitement des données conduise à des discriminations. Oui. Quelles sont celles qui vous paraissent effectivement aujourd'hui les plus préoccupantes ? Dès lors qu'il s'agit de traitement de masse et on procède plus par induction que par déduction, si j'ai effectivement un traitement sur un pays, sur un quartier, sur une zone, sur une ville ou sur une entreprise qui laisse apparaître un ensemble de données présentant des profilages à peu près identiques pour les personnes, je peux avoir non pas une attitude individuelle au cas par cas, mais je peux trouver des réponses pour le groupe, des réponses pour le quartier, des réponses pour la ville. C'est ce que je vous disais pour une société, une compagnie d'assurance qui ne serait pas une compagnie européenne, parce que les autres, effectivement, sont moins soumis à ces règles-là. Elle pourrait dire, vu le taux de mortalité de ce quartier, vu l'âge des personnes, oui, vu que les hommes meurent plus tôt que prévu, vu un certain nombre de pathologies, eh bien dans ces conditions, les contrats que je vais proposer vont être des contrats avec des renforcements de primes, où les mutuelles vont demander effectivement des garanties supplémentaires. C'est parfaitement discriminatoire. C'est ça, typiquement la discrimination. Ça, c'est extrêmement important. Vous avez la même chose en matière de sécurité. On peut considérer que certains quartiers sont plus particulièrement dangereux en termes de données. Quelquefois, d'ailleurs, il y a eu des mésaventures aux États-Unis parce qu'on s'était trompé de quartier. En précipitant toutes les forces sur un quartier que le traitement des données par algorithme avait effectivement ciblé comme un quartier très dangereux, puis en fait, c'était le quartier d'à côté où ça s'est révélé le plus dangereux. Alors donc, il faut de toute façon, vous avez raison, un traitement humain des données. C'est-à-dire qu'il faut un traitement intelligent des données, il faut un traitement sensible des données, il faut un traitement éthique des données, parce que nous allons, sinon, au-devant des catastrophes. À vous écouter, l'empire des données, c'est le règne des discriminations, finalement, à l'arrivée. Ça risque d'être là, si ce n'est pas mesuré, contrôlé, vérifié de près. Bien sûr, il faut que ça le soit. Puisque, bah, par exemple, le Comité national d'éthique fait un très gros travail sur les data, les données de santé, l'éthique et les données de santé, parce qu'il y a la loi, bien sûr, mais il va falloir ensuite que les choix soient faits. Lorsqu'on choisit, par exemple, un type de recherche ou une forme
ou un algorithme, c'est-à-dire une description d'une suite finie et non ambiguë d'étapes ou d'instructions qui permet d'obtenir un résultat, ben, il faut savoir si la recherche algorithmique est éthique ou pas. Parce qu'effectivement, on peut aboutir à des drôles d'événements. On a parlé l'autre jour de la voiture automate. Alors, bien sûr, une voiture automate. Et puis, elle se trouve dans une situation où un petit enfant traverse la route et une vieille personne traverse la route. Alors, elle n'a pas le choix. Il faut qu'elle choisisse c'est terrible ce que vous nous dites. Une des deux. Est-ce qu'on choisit l'enfant ou est-ce qu'on choisit la personne âgée? Ça, c'est typique, par exemple. Je vais jusqu'au bout, je caricature, mais des choix éthiques qui peuvent être posés aux automates. Et là, nous sommes dans l'intelligence artificielle qui utilisera les données, mais nous sommes déjà ailleurs. Donc, l'éthique. Donc, des collégialités éthiques, et je me permettrai de dire, les chercheurs, les mathématiciens, car nous sommes dans l'ère des mathématiques. C'est l'époque des mathématiques. Moi, ce que je veux dire, ce qu'on pense, c'est qu'il faut que les collèges éthiques se mettent en place, et non seulement de mathématiciens, mais de chercheurs, et même dans les entreprises. Il faut aussi que dans les entreprises, il y a des data officers qui sont là pour surveiller la juste application des données, mais je ne saurais que trop dire à toutes les personnes dans les entreprises, syndicats, pas syndicats, personne, il faut que les gens commencent à s'emparer de cette question des données pour savoir qu'est-ce qu'on en fait, comment on les collecte et si leur finalité est utile à l'humanité. Parce que je le dis, dans le règlement général de protection des données, on dit que l'utilité finale, ultime des données personnelles, c'est qu'elles doivent être utiles à l'humanité. Donc je vous dis, c'est un immense bien, mais si on n'y prend pas garde, ça peut être effectivement le mal. Comme tout progrès humain, ce n'est pas la première fois, hein. Dans votre essai, vous soulignez que les algorithmes sont tout à la fois législateurs, juges, enquêteurs privés. Est-ce que, en fait, vous définissez pas là un peu le gouvernement des algorithmes? Est-ce que ce que vous dénommez, d'ailleurs, avec une très jolie expression, le coup d'état, presque une sorte de coup d'état permanent, est-ce que ce coup d'état va tuer l'état de droit? C'est un peu la question que finalement vous abordez. Alors oui, le coup d'état, c'était un peu polémique, hein, comme titre, vous l'avez compris, comme l'empire des données. Oui, ça peut l'être, bien sûr, mais évidemment, ça peut l'être s'il n'y a pas un gouvernement. Si d'abord, il n'y a pas un encadrement légal, et j'allais dire s'il n'y a pas un gouvernement éthique. Je pense que nous sommes aussi rentrés dans l'ère de l'éthique. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais du pouvoir que je détiens? Qu'est-ce que j'en fais? Et pour savoir ce que j'en fais, je ne vais pas être dans une réflexion solitaire, je vais effectivement, en collégialité, avec mes collègues, avec d'autres, réfléchir à la bonne utilisation des données, en fonction, par exemple, du principe de dignité humaine. En fonction de la loi, mais en fonction du principe de dignité humaine. Quel choix je fais? Donc, en effet, l'éthique, qui est une éclaireuse du droit, est au cœur du management des data. Et c'est pour ça que c'est tout à fait essentiel d'avoir un cadre de droit, mais que la société commence à réfléchir en termes d'éthique, en termes de collégialité, en termes de délibération. Et moi, je ne serais que trop incité, pas seulement dans le domaine de la santé, des hôpitaux ou des laboratoires de recherche, parce que les laboratoires de recherche, ils veulent travailler avec le privé. Bien sûr, parce que c'est le privé qui leur donne souvent, quelquefois, les moyens financiers de travailler. Donc, on ne va pas rendre squelettique la recherche pour ne pas travailler avec le privé. Mais si on travaille avec le privé, moi, je suis un libéral, je suis un homme du privé. Moi, je sais bien que nous, les libéraux, les hommes du privé, à la fin, ce qui compte, c'est normal, c'est le chiffre d'affaires en fin de mois. C'est quel profit nous tirons? C'est quelle rentabilité nous tirons? Alors, moi, je ne suis pas contre le profit, je ne suis pas contre la rentabilité. Je dis que le profit, il doit effectivement être limité par des principes d'humanité. Là, il n'y a pas de rentabilité à tout prix, pas de profit à tout prix. Or ça, c'est la loi et l'éthique. Et donc, l'éthique, comme je ne suis pas tout seul, mon souverain éthique, mon seigneur éthique, eh bien, c'est collégialement qu'on doit apprendre à retravailler. Vous voyez, on a beaucoup travaillé jusqu'ici avec la révolution industrielle et après dans des syndicats, dans des collectivités, dans des comités d'entreprise, dans des conseils d'administration de société. Maintenant, il faut aussi travailler en collégialité éthique. Pour répondre directement au thème des idées mènent le monde de cette année, c'est-à-dire demain, un autre monde, est-ce que, Jean-Pierre Minard, est-ce que ne risque-t-on pas
d'aboutir finalement à une société complètement déterministe. Ah. Oui, bien sûr, votre question est pertinente, parce que on peut avoir en effet, mais c'est-à-dire que parce que les données personnelles qui représentent en termes statistiques un progrès considérable, enfin un progrès en tout cas des moyens considérables tels que nous n'en disposions pas avant, est-ce que nous sommes soumis aux résultats de l'enquête statistique? Est-ce que nous sommes soumis aux résultats de données statistiques ou qu'est-ce que nous en faites? C'est-à-dire, nous pouvons nous rebeller contre une donnée. Ce n'est pas parce qu'une donnée dit massivement que les goûts vont dans tel sens qu'il faut satisfaire ses goûts. Par exemple, si les gens, en termes d'alimentation, c'est de la mauvaise alimentation, je peux avoir deux attitudes. Je peux, alors évidemment, avoir des rayons de grands magasins qui soient surchargés de malbouffe. Et ça, sur ce point, l'enquête par données et algorithmique montrera que les personnes vont plutôt là, parce que le goût est agréable, même si effectivement la substance est nocive, et on peut dire encore plus, encore plus, encore plus. Ben, tout dépend ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que l'enquête doit nous permettre de faire nos choix, mais l'enquête ne doit pas dicter nos choix. Vous croyez que c'est encore possible ? Dans cet empire des données, on a encore cette possibilité-là. On a cette donnée-là, mais moi je vais peut-être mettre des bémols. Pourquoi ? Parce que je vois le règlement général de protection des données. Franchement, je vais vous le dire, c'est le texte le plus en avance, le plus pionnier de l'Union européenne aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'elle va devenir, l'Union européenne ? C'est une question de géopolitique qu'il faut se poser. Si demain vous avez des États de l'Union européenne, je ne vais pas en citer pour ne pas créer de polémique, qui considèrent que les droits et les libertés fondamentaux, c'est beaucoup moins important, qui considèrent que le marché à tout va, c'est essentiel parce que ça permet d'augmenter les PIB. Alors dans ces conditions, on appliquera de moins en moins le règlement général de protection des données. On l'appliquera peut-être en France, on l'appliquera sans doute en Allemagne, et puis peut-être moins en Hongrie, puis peut-être moins en Pologne, et puis peut-être moins ailleurs. Donc si les 27 États qui ont été à l'origine de ce règlement général de protection des données se disloquent, comme on voit bien aujourd'hui que ça va mal, ça aura évidemment un effet sur la stricte application du RGPD. Il sera effectivement considéré comme étant peut-être un texte mineur. Et dans ce cas-là, nous aurons le pire. Vous savez, tout se tient en droit. L'éthique, les données économiques, la géopolitique, tout se tient. On ne peut jamais traiter la technologie, on ne peut jamais traiter un sujet en tant que tel, car ensuite, sur les finalités de toute découverte, tout va dépendre en effet qui découvre, mais surtout qui va exploiter la découverte. Pour conclure, M. Mignard, cette conversation publique tout à fait passionnante, permettez-moi une dernière question à la fois un peu simple et peut-être brutale. Est-ce que vous diriez que le hasard est, dans cet empire des données, aujourd'hui totalement aboli ? Et avec lui, la liberté individuelle. C'est-à-dire, ce que disait Mallarmé, jamais un coup de dé n'abolira le hasard. C'est exact que plus la statistique progresse, et moins le hasard, et plus le hasard recule. On le voit bien aujourd'hui, y compris même puisque sur le net, on prétend pouvoir vous donner votre histoire génétique. On dit pas tellement ce que ça vaut, mais enfin, en tout cas, on peut même remonter à ses origines, etc. Donc, on voit bien que tout cela vise à rendre la vie sociale prévisible, probable, prévisible. Moi, ce que je pense, c'est que finalement, il y a dans l'humain un tel désordre, bon ou mauvais, que je crois qu'il sera toujours impossible que l'on soit livré à un déterminisme, bon ou mauvais, hein. Mais je pense effectivement que dans l'espèce humaine, malheureusement ou heureusement, tantôt l'un, tantôt l'autre, le désordre est au cœur même de l'espèce humaine. Merci, M. Mignard, pour toutes vos réflexions partagées aujourd'hui à Pau. Nous aurions préféré que vous soyez parmi nous, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je suis navré, hein, mais... Non, mais on a bien compris. Les rues de Paris sont totalement vides. Moi, je n'ai qu'une envie, c'est vous inviter notre auditoire
à aller regarder, lire et s'enrichir de votre dernier essai, L'Empire des données, qui est publié chez Don Quichotte, un livre tout à fait passionnant et qui me permet de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Merci encore, M. Mignard, et à une prochaine fois, j'espère. Merci, messieurs, dames. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci.